Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2. Nous sommes sur PC toujours, hein, je précise maintenant. En tout cas pour ce jeu, pour les jeux qui ont un certain potentiel console, on va dire, on va appeler ça comme ça. Surtout les jeux en fait qui ont tout simplement, on va appeler ça une sortie simultanée sur plusieurs plateformes. C'est où exactement? C'est plus loin, d'accord, c'est eux. C'est la fameuse équipe de trou du cul qu'il fallait pas que je... qui m'ont racketté. D'accord. Bonjour. Hey, quelle est notre réponse par ici? Voilà, là, là, là. Non. Voilà, cette fois-ci, je veux pas leur donner mon fric. Oh, tu ne veux pas payer ce que tu nous dois. Tu vas découvrir ce qui arrive quand on énerve le Nuts Gang. Tu vas le regretter. C'est parti. Moi, je lance. J'ai oublié de lancer mon timer. C'est pour être sûr à peu près d'avoir une bonne durée d'épisode. Parce que là, franchement, les épisodes sont trop longs. Vous commencez à me gueuler dessus dans les... sur Steam ou dans les commentaires. Ce qui n'est pas bon signe. Allons-y. C'est parti, bon, Kiki, toi d'abord, le gros d'abord. Le gros d'abord, j'ai dit, non. J'ai dit le gros. Bon, apparemment, j'ai pas le droit de toucher au gros d'abord, hein. Par contre, je me fais rect. Merde, vous me faites chier. Quoi? Mais merde, mais vous me saoulez. Je me fais défoncer. Mais putain, mais... Hop! Ah, mais merde, Crudy! Mais vous me saoulez! Vous allez. Tu vas arrêter deux secondes? C'est ça qui est. C'est saoulant! J'ai même pas le temps de me remettre! Regardez! Mais non, mais. Bon! Je touche quelqu'un? Hop! Mais merde! Je suis en pleine téléportation! Je suis en pleine téléportation! On a entendu le kipiou! Et non! Non, non, le jeu me dit non! Vaut mieux que je me fasse rect H24, c'est bien mieux! Alors, les trois quarts du temps, le jeu me verrouille l'adversaire. Là, il me l'a pas verrouillé. Bon, je sens que cet épisode va être sympa. Allez, on y va. T'arrêtes de rigoler, tu vas te faire défoncer de toute façon. Mais merde! Bon, c'est pas que vous me saoulez, hein. Mais c'est quoi? C'est quoi cette merde? Ah là là! Incroyable! J'ai même pas le temps de taper! Mais merde! Et regardez ça! Sous prétexte que j'ai pas la bonne personne qui me tape. Boum! Goyan! Putain, mais il est déjà! Voilà! Non, raté! Hop! Allez, fini ton combo, Marcus! Putain, dommage! Allez! Ah, quel dommage! Est-ce que je peux peut-être passer sur un... Non, toujours pas. Aïe! Hop. Allez. Ah merde, Cody. Hop. Et deux. Ah merde. Dégage. Mais t'es pas sérieux, je suis pas déjà plus que midlife. Je peux me redresser, s'il te plaît? Merci. Mais merde, je suis en pleine technique. Voilà, et deux, un. Merde. Boum. Quoi? Quoi? Hop. Raté. Ouf. Tu me dis si ça te fait chier ce que je te fais. Hop. What? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais merde. On entend le petit kipwing.
Boum, ça t'apprendra. Hop. Quoi? Le Kinzan qui me touche. Je viens de poursuivre un mec. Et le Kinzan qui vient me chercher. What the fuck? Ah, mais ça va être super comme combat. Je le sens bien. J'espère que je suis toujours dans le cadre de la cam. Non. Pensez-vous qu'il pourrait... C'est débile, c'est débile, c'est absolument débile. Bon. Les techniques qui peuvent pas. Merde. Merde. T'es sérieux? La chope! Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi je m'embête? Pourquoi je me fais du mal? Bah oui, bien sûr, ça n'en arrête qu'un seul. Merci de me laisser finir mon combo parce que je t'ai vu arriver derrière. Boum, dégagé. Quoi? Quoi? Je peux rien faire. Ça ne touche que Pouic. Je me fais rect sans cesse. Ok, retour à Canton City, c'est pas la peine. Ce combat, c'est de la merde. Voilà. C'est débile. Hein? T'es en train de me dire que la mission, j'y ai plus accès? Mais c'est de la merde. Mais... Mais putain, mais... What? Ah oui, vous êtes vraiment des connards, en fait, en tant que développeur. Parce que non seulement vous revendez un jeu avec exactement les mêmes missions, au niveau du truc là-bas, mais vous créez des missions qui sont juste impossibles à faire. Ou alors sinon, faut que je trouve des gens pour les faire. Pour battre trois pauvres mecs. Bah putain. On va pas être copains. On va aller se faire quelques quêtes secondaires, chers amis. On va aller rigoler un petit peu, parce que là, ça commence à me... Parce qu'on va voir la différence de niveau, hein, quand même, ça va être rigolo. Victoire, j'ai pas la victoire là-dessus. Bah ça tombe bien, on va aller la chercher. La légende du Super Saiyan. Je suis habillé comme un... Je suis Super Saiyan en tant que personne. M'habille super bien. Bon. Alors là, franchement, c'était... C'était la... La débandade, hein, comme on dit. J'ai débandé, littéralement. Ok. On va mettre des gens normaux avec nous, voilà. Pas trop puissant. Voilà. Pas possible. Je ne peux rien faire en fait face à eux, c'est cool. Hop. D'accord, un ralentissement qui vient de nulle part. Voilà. Et de 1. Tu pourrais essayer de... D'intercepter pour de vrai les ennemis.
Ah, c'est saoulant. Les interruptions sont vraiment mal fichues, en fait. Hein. En fait, vos alliés vous handicapent quand ils visent le même ennemi. Et ils sont pas fichus de changer d'eux-mêmes. J'ai l'impression. Vous voyez, par exemple, là, le mec était dans le rayon, mais comme il a eu une interruption grâce à Broly, Vous voyez, pareil là. Ok. Apple qui se ramène. J'aime pas l'iPhone 7. Désolé. Boum. Et c'est fini. Hop, la chope qui passe. Crac. J'ai pas l'impression de faire super... énormément de dégâts, si je puis dire. Hop. Merci. Ah, on va passer à un niveau supérieur, parce que là, ça va pas. Boum. Ok. Vous êtes pas en train de taper des mecs qui sont de l'autre côté de du caillou, quand même. Si. Hop. Pourquoi je pose la question? Il y a des choses qui s'enchaînent. Ah, c'est stylé ça. Il y a des choses qui s'enchaînent pas, mais il y a des choses qui s'enchaînent. Allez comprendre. Hop, merci. Boum. Et c'est fini. Voilà. Ramon. Le Ramon Ibérico, qui est un jambon d'une valeur inestimable. Et quand je dis inestimable, c'est que on arrive à plusieurs milliers d'euros le jambon. C'est vraiment un jambon qui coûte très très cher. On parle de jambon sur la chaîne maintenant. Boum, ça prendra. Ok, il en reste un. Je peux vous jurer qu'il en reste un quelque part. Mais alors où? Oren, voilà. Boum. Oh! Mais non, mais... Voilà! Qui c'est qui a fichu en l'air mon attaque et qui a gaspillé mon ki, du coup? Ah! Oh. Allez, finissez-le. J'y crois pas. Le mec, il fait un combo à Broly, quoi. T'es nul, Broly. T'es nul. Voilà, je le dis. Nouvel ennemi. What the... Oh oui! C'est une de ces fameuses missions où, pour aller plus loin, il faut prendre le chemin en question. C'est celui-là? C'est celui-là. Voilà. Vous allez là, vous allez taper les gens qui sont dedans. Donc, c'est véritablement des copies. Ces missions sont véritablement des copies du jeu précédent. C'est pathétique. Non? Pourtant, normalement... Alors, soit il y a quelque chose que je loupe... Ils sont en train de voler contre le mur, c'est con. Son Gohan écrit là, et voilà. Hop, merci, un matériau. Voilà. Oui, je vais prendre ton ki. Donne-moi... J'aimerais que tu me files un coup de main au combat. Tu vas être utile à côté de Cell et de Broly, dis donc. Voilà. Il faut que Krillin ensuite se fasse rect. Donc j'aurais dû y aller tout seul. Et si Krillin se fait rect... Si Krillin se fait règle, je vous fais pas de dessin. Sur qui? Viens nous voir. T'es sérieux là? Tiens, ça prendra. Hop. Et vu qu'on n'arrivera pas à faire en sorte que Krillin se fasse rect ici, ça prendra. T'es repassé dedans comme un abruti.
Ah. Oula. Vise Krilin. C'est bien, voilà, il a tué Krilin. Finalement, ça a peut-être mieux se passer que prévu. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Yokuma. Voilà. Je suis en train de le dire, hein, mais c'est... Voilà. Voilà. Bon, ça respecte pas super bien le... Le... Comment le... L'histoire, mais... T'es sérieux? Mais merde! On est trop nombreux sur le freezer! On est trop nombreux sur le petit garçon! Le pauvre, il y prend trop cher! Le petit garçon, j'ai laissé exprès! Hein. Quand on voit la taille qui fait le gabarit du bonhomme vis-à-vis des autres! Hop! Et j'ai loupé mon truc! Hop, merci d'être passé! Merci. Boum. Je sais pas si ça me coûte du ki. Oui, ça me coûte du ki à chaque fois que je le fais. T'es sérieux, le mec il passe son temps à faire ça quoi. Boum, ça t'apprendra. Tiens, voilà. Ah. Allez, viens voir papa. Lexi. Ah, faudrait que je fasse le... Ah oh la vache, j'ai gaspillé tout mon ki là-dessus. Aïe. Ah. Ah, pas me tuer. Ah. Ah. Ah, le monsieur est énervé. Il a pas aimé que je survive. Ah. Et du coup, il est full life. Encore. Hop. Ah, on a des copains. Qui c'est qui vient de nous aider? Vegeta. Joli. Oui, bien sûr. C'est bien d'y croire, Vegeta. Me dis pas qu'il est passé en Super Saiyan aussi. Ah, non. Tu peux venir me voir? J'aimerais qu'on dise... Mais putain. Mais merde! Putain! Le jeu où vous avez soit trop de monde avec vous, soit pas assez. Arrête de jouer avec Vegeta, viens jouer avec moi! Boum! Encore raté. Tiens, bouffe ça. Boum! Tu parles de Krilin? Tu parles de Krilin? Ah mais... J'aimerais taper le nain chauve, s'il vous plaît. Non, pas Krilin. Le nain chauve avec des muscles. Non, pas Krilin, toujours. Ah, on est full. On l'a buté? Ah non. J'aimerais réussir à passer mon ulti. Mais merde! Y'a aucun ulti qui passe dans ce jeu, c'est pas possible! Boum! Voilà, fini! Quoi? Encore? Couleur qui arrive peut-être? Non, je veux pas taper Vegeta, j'adore Vegeta! Vegeta, c'est le moustachu que je préfère! Merde! Il y a des ralentissements dans le jeu. Et merde. Bon bah ça me donne une occasion de taper Vegeta une fois de plus. Avec mon ulti. Oh salaud. J'adore quand tu fais ça mais salaud.
Boum! Effectivement, pas... Ah mais merde! Il a aucun intérêt pour moi, Sangoku, Sangoku. Tu penses qu'à Sangoku? C'est pas normal. Ah, joli. Joli, ça fait deux fois qu'il me la passe, j'ai honte. Ah, mais en même temps, si la mienne est passée pas dans le mauvais sens aussi. Boum, ça y est, la mienne, elle est passée aussi. Hop, et il est mouru. C'est Broly qui l'a terminé. Bon. Rang A, bon, c'est pas grave, hein. Puis capsule, un double en taille de la mort, c'est quand il fait le double Kinzai en fait. Il fait lang lang et il envoie les deux, et les deux sont auto-guidés en plus, je crois. Donc c'est. En fait, il n'y a que ça qui marche en ulti, les attaques auto-guidées. Non, c'est vrai que là pour le coup, il n'y a aucun ulti. Il n'y a aucun ulti qui passe. Hein. Je vois pas comment on est censé faire passer les ultis. Parce qu'il y a toujours moyen de les esquiver ou alors de passer dans une frame d'invincibilité, quoi, c'est débile. La sœur de l'empereur, la perruque de Sangoku. D'accord, on y va. Hop. Au niveau du timer, on est encore bon. J'ai de garder les espèces d'une demi-heure, chers amis, je suis désolé. On a encore 10 minutes, c'est parfait. Parce que bon, je sais que pour vous, après, c'est long à regarder. Et vous n'avez pas forcément le temps dans la journée. Du coup, est-ce que je reprends un personnage avec d'autres ou je... Non, j'y vais tout seul. J'y vais tout seul, on va bien voir. Et là, ils vont être 36 000. Je connais le jeu, hein. Le frère de l'empereur, bah coulé. Coulé. Qui est coulé? Ah, je suis avec Sangoku. Vous imaginez à 4 sur lui. Sur Freezer. T'es sérieux là? T'es vilain. Ah, v'là le méchant. Alors je suis désolé, j'ai mon câble qui tape tout le temps, c'est bizarre, ça faisait pas ça avant. Ah bien, je t'attends. Hop les, ça t'apprendra, tu peux repartir, merci. Ah hey, t'as déjà vu ça couler? Couler. Boum. J'ai les cheveux longs maintenant. Je parle de cheveux à un chauve, tu dois pas pouvoir comprendre de quoi je parle. Tu te sens perdu, tu te sens... perturbé. Complètement chauve. Complètement... Je t'ai rasé les cheveux sur la tête. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied, je sais pas. Bah je l'ai déjà tué. Oh merde. Boum. Bon bah... Boum, bitch, get out the way. J'ai envie de l'absorber. Ah non, il va l'avoir. Ah non, c'est bon. Merde. Bon, je vais l'avoir moi, comme ça c'est fait. Hop. Ah non, il est pas mort. Ah oui, il vient de couper Freezer en deux, il lui dit "Tu peux te barrer, vas-y." Ah, couler. Non, pas toi. Oh non. Tu vas ne plus être chauve bientôt. Oh mon dieu. Il est chauve avec des cornes. Il a un casque, salaud. Ça changera pas grand chose à l'issue du combat. Aïe. Dit-il. Hop. Viens, 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 j'attends. Joli. Mais non, mais... Quoi? Dommage. C'est auto-guidé, cette histoire, ou pas? Qu'est-ce que... Sangoku fuit. T'es sérieux, là? Bon bah voilà, fini. Freezer, voilà, merci. Voilà, il va revenir en métal couleur. Oh, j'aurais dû m'en douter. Et je n'ai plus Sangoku, c'est génial. Et ils ont tous des PV de malade. Bah oui.
Je suis tout seul face à 5 personnages, 3 personnages, 4 personnages. Ça vous rappelle rien? Boom! Bitch, get out the way! T'es sérieux là? T'es sérieux là? Oups, je fais... Attends, je te fais un croche-patte et après je reviens te combattre. Voilà, et deux, hein. S'il y en a un autre qui apparaît, je rage. Aïe. Aïe, un instant. Ah là là. Hop. Crac. J'ai la mèche qui part en sucette. Boum. Allez, oh non. C'est vilain ça. Oh. Oh la chope. La chope, la chope, la chope. T'es sérieux là? Hop. Oh. Le jeu qui est contre moi. Mais non, mais non, mais non, mais non. Bah il était temps que t'arrives. Tu veux bien attaquer un des mecs s'il te plaît plutôt que de regarder? Trop con. Mais non mais non mais... Hop. Merci. Ah. Hop, merci pour ton endurance. Ah. Vas-y, viens. Merci pour ton endurance. Oh, mon ulti qui a pas eu la priorité. Hop. Voilà, fin ultime. Bah dis donc, on en a chié. On en a littéralement chié, chers amis, hein. Putain. Pfiouf. Perruque de Son Goku et l'explosion spirituelle. Génial. Sachant que l'explosion spirituelle, je crois qu'en plus, elle coûte genre 3 barres. C'est de la merde à utiliser. Est devenue plus dangereuse, allez comprendre. Technique. Explosion spirituelle, elle coûte 3 barres. Voilà, ça, 3 points de... De toute façon, tout coûte 3 points, donc c'est... C'est débile, c'est débile, c'est débile. Bon, c'est pas grave. Ok. Et donc, la nouvelle mission qu'on a débloquée, linge sale en famille, bat Son Goku. Et on tient le tir du doigt fou et j'ai retrouvé ma jeunesse. What? What? L'attaque des cyborgs, les tenues, les tenues, les tenues. D'accord, ok. Bon. J'ai l'impression qu'on va pas tomber des choses sympas en ce moment. Je pense que dans le prochain épisode des amis, on va se laisser là, pour celui-ci en tout cas, on va tout simplement faire dans le prochain épisode de l'histoire un petit peu, on va aller voir ce qu'on peut débloquer. Et on se retrouvera ensuite pour peut-être un petit peu plus d'histoire dans la semaine, on verra. Je pense que je vais un petit peu avancer en histoire parce que j'ai pas suffisamment avancé. Pardon, excusez-moi, je vais avoir un hockey qui va arriver qui va être violent. J'essaie de me retenir mais ça va être violent. Donc écoutez, je pense qu'on arrive de toute façon à 30 minutes là, bellement. Voilà, donc eh bien, écoutez, je vais rester dans les clous cette fois-ci, chers amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures, n'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de la chaîne, dans le descriptif de l'épisode, pardon, et dans la bannière de la chaîne vers mon partenaire GamesPetroCam qui m'a gracieusement offert le jeu. Et je vais les en remercier comme je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Salut et yop!